Aujourd'hui, Léo va à l'école pour la première fois. C'est une journée très importante et papa et maman sont là pour l'accompagner. Avant, c'était les vacances. Léo est parti au bord de la mer faire du camping avec papa et maman. Il lui avait bien expliqué qu'à la fin des vacances, il serait temps d'aller à l'école. Léo est un peu anxieux. Il ne connaît pas l'école. Il ne connaît pas non plus les enfants qui s'y trouvent, ni la maîtresse. Mais papa le rassure en lui expliquant qu'il va vite faire connaissance avec tout le monde. Devant la classe, un porte-manteau attend Léo. Il y a son nom noté dessus. Il y dépose son sac et son manteau, puis entre dans la classe. C'est le moment de dire au revoir à papa et maman. Léo sait qu'il va les retrouver ce soir, après l'école. Chacun dit au revoir à ses parents. Certains enfants pleurent. C'est normal au début. Quand tous les parents sont partis, la maîtresse invite les enfants à s'installer tout autour d'elle. Léo s'allonge près d'une petite fille. La maîtresse se présente, elle s'appelle Hélène. Il y a aussi une autre dame, Cindy, qui aide la maîtresse à s'occuper des enfants. Hélène chante une chanson avec les marionnettes. Comme c'est le premier jour, la maîtresse parle de l'école. Elle explique ce qui va se passer. Ensuite, les enfants jouent librement. Léo choisit de faire un dessin. Il dessine un dinosaure. La cloche sonne. C'est l'heure de la récréation. Léo s'est fait de nouveaux amis et avec eux, il s'amuse beaucoup. Ils font du vélo, jouent au ballon et au toboggan. C'est super! Le midi, Léo commence à avoir un peu faim. Cindy accompagne les enfants à la cantine. C'est ici qu'ils vont manger. Il y a des petites tables et des petites chaises. Léo met sa serviette autour de son cou et se sert tout seul, comme un grand. Il mange des fruits, de l'œuf. Quel délice! Après le déjeuner, direction la sieste. Léo dort sur un petit matelas jaune. Il a un oreiller bleu. Les enfants ont même le droit de prendre leur doudou. Trop chouette! Lorsqu'il se réveille, Léo va jouer calmement à la dinette avec d'autres enfants. Quand tout le monde est réveillé, Cindy leur raconte des histoires. Ensuite, c'est l'heure des parents. Papa et maman sont venus tous les deux chercher Léo après sa première journée à l'école. Ce soir, Léo se couche avec plein de rêves dans la tête. Il a beaucoup aimé l'école. Vivement demain!